Léon. Pardon, j'ai tardé. Non. Merci. T'as apporté le médicament à temps. Tu peux te lever? Où est Louis? Il était inquiet pour toi. Jusqu'au bout. Allez, le temps presse. Il faut qu'on se débarrasse de ces trucs. Pour Louis. Ada, réponds. Il y a un labo où on peut éliminer ces parasites. Et quelque chose me dit que tu sais où il est. Les installations les plus importantes sont dans leur sanctuaire au sommet de la montagne. C'est là que j'irai. Ada, le vampire. Ravi de t'aider. À charge de revanche. Ça va aller? Bien sûr. Je compte sur toi. Même pas besoin de crocheter la serrure. J'ai quelque chose qui pourrait bien te plaire. Bienvenue. J'ai quelque chose de nouveau pour toi, l'ami. C'est du bon travail, si je peux me permettre. Les richesses que tu amasses te serviront à rien dans la tombe. Merci. J'ai plein de choses à faire. Tu fais des réserves au cas où. C'est une sage décision, ça. Elle va pas te faire tuer, hein? Recule! C'est tout dans ce grand naufrage. Pas mal, hein? Je
Ça va? Ouais, nickel. On y va. Ok. Ok, tout va bien. Ça va? Ouais, j'ai rien. Ashley. Ok. Tu vas bien? Ouais, ça va. Dégage. Léon, t'es blessé. Ça va aller. T'en fais pas. Okay.
bonjour l'odeur. Tu tiens le coup? Ouais, même si avant, ça m'aurait tué. On y va au même moment, d'accord? Compris. Bon, on y va au même moment. Ok, d'accord. Et voilà! Un amour. T'es pas blessé, j'espère. Non, je vais bien. Ashley. Ok. Pas de courant. Tu t'en occupes? Pas de problème, laisse faire l'experte. Foutez-moi la paix. Ashley, est-ce que ça va? Ouais, merci. Merde! Dans tes rêves!
Merci. De rien. Jamais. Ah, à ce que je vois, tu t'es chargé d'une roquette. Beau travail. L'ami, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Être méticuleux jusque dans les moindres détails, c'est le secret. Reviens quand tu veux, surtout. Bienvenue. Oh, je suis prêt à payer un bon prix pour ça. Est-ce que je peux t'aider pour autre chose? Elle va pas te faire tuer, hein? Ah! Ashley. Attends. Ok. Tu t'es occupé d'une roquette, n'est-ce pas? Ça se voit sur ton visage. Bravo, étranger. Alors, qu'est-ce que t'achètes? Fais bonne route. Pas mal.
regarde. C'est l'ascenseur? Si on pouvait détruire ce mur... Une boule de démolition. Laisse-moi faire. Attends. T'es sérieuse? C'est ça qu'on vous apprend à la fac maintenant? Vous êtes au courant des dernières réformes? C'est une raclée que vous voulez. Je veux bien vous rendre service. Jamais.
Je crois que t'as trouvé ta vocation. N'oublie pas qu'arme à feu rime avec jeu, étranger. Bienvenue. En quoi puis-je t'être utile? Être méticuleux jusque dans les moindres détails, c'est le secret. C'est un plaisir de faire affaire avec toi. Reviens quand tu veux, surtout. Reste ici. Ça marche. Tu t'es occupé d'une roquette, n'est-ce pas? Bon travail! Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Elle va pas te faire tuer, hein? Je me disais, on forme une bonne équipe, non? Sans doute, ouais. Peut-être qu'un jour, je deviendrai un agent comme toi. Qu'est-ce que t'en penses? On pourrait protéger notre pays contre n'importe quoi. Si tu le dis. Enfin, pour ça, il faut déjà qu'on sorte vivant d'ici. Pff,
C'était pas drôle. C'est sûrement ça dont Louise parlait. Ceci est notre corps sacré, notre divine providence et bien tout. Une profonde bénédiction pour tous. Las Plagas. Bienvenue, mes enfants. Je suis Osmund Sadler, le prophète de notre Dieu. Qu'est-ce que tu veux que ça nous foute ? Pauvres imbéciles. Pourquoi refusez-vous la grâce ? Allez, abandonne ton corps. Obéis. Obéis à la voix du Seigneur. Fidèle disciple t'infligera ta pénitence. Mon enfant, tu n'as rien à craindre. Soumets ton corps et libère-toi de cette peur. Espèce d'enfoiré.
Félicite d'être arrivé jusqu'ici, le Bleu. J'ai préparé un champ de bataille un peu plus loin, rien que pour toi et moi. Plusieurs générations l'ont imprégné de leur sang au cours des siècles. C'est l'endroit parfait pour mettre fin à ce qui s'est passé il y a 2 ans. Il n'y a pas de mal à se faire plaisir. Bienvenue. En quoi puis-je t'être utile? Merci. Reviens quand tu veux, surtout. Fais attendre. Le Bleu. Ah, tu t'inquiètes pour la fille, c'est ça. Ça te ressemble bien. T'as toujours manqué de discernement. Mais si tu crois que je vais te laisser sortir d'ici vivant, t'es encore plus naïf que je le pensais. Tu peux pas la sauver. Tu ne peux sauver personne. Laisse tomber, Krauser. Être le larbin de ces cinglés, ça ramènera pas tes hommes. Et tout ça pourquoi? Te venger du gouvernement? Tu crois que c'est ce qu'ils voudraient? Me venger? Parce que tu crois vraiment que je fais tout ça pour me venger? C'est l'impression que ça donne. Tu vois, dans cette jungle, j'ai eu une révélation. La chose la plus importante dans ce monde, c'est la plus pure et la plus absolue puissance.
Les Illuminatos m'ont donné ça. T'as toujours été un connard. Mais au moins, t'avais quelques principes. T'avais de l'honneur. Regarde-toi maintenant. Arrête, tu vas me faire pleurer. Prépare-toi à te battre, soldat! Allez, cours le bleu! Comme si j'avais le choix. Qu'est-ce qu'il y a? Sois sourd! Tu es lent. Et qu'est-ce que tu peux être faible? Tu veux que je t'attaque en premier, on dirait. Reste en mouvement, ça va. Te dépêcher. Qui sait ce qui est arrivé à la fille? Tu te souviens de ce combat dans la jungle? On avait bien failli y rester. Suis ton instinct, ne pense pas. C'est la première chose que tu m'as apprise. Inconscient! Ah! Fais ta prière, le bleu. Je connais pas mal en tactique de guérilla. Tu te souviens? Comment je pourrais oublier? Merde. Rien de tel qu'une bonne chasse. Toujours vivant, hein? T'as de la chance. Que t'aies survécu jusqu'à présent, Jackson. Je serais mort depuis longtemps si j'avais écouté des mecs comme toi. Parlons peu si tu bouges comme ça. La faucheuse vient pour les lâches et les inconscients. Tu es quoi? Bonne question. Je lui demanderai quand je la verrai. T'es vraiment donné à fond pour moi. T'aurais pas dû. Fallait pas bien que je te réserve un traitement de faveur, non? Elle te plèche, c'est plèche!
T'as réussi ton épreuve avec brio. Voici ta médaille. C'est fini, soldat. Je marche pas sur moi. Tu peux pas me battre. C'est vraiment ce que tu veux? Il est pas trop tard. Toi et moi, on est les deux faces d'une même pièce. Ce qui veut dire qu'on n'aura jamais la même vision des choses. Tu as fait tout ce chemin, mais t'as absolument rien appris. Franchement, tu es déçu. Venant de toi, je prends ça comme un compliment. Pitoyable. Toi et moi avons choisi des voies différentes. Maintenant, tout ce qui nous reste à faire, c'est de régler ça à l'ancienne. Eh ben, tu vois qu'on peut être d'accord. Ça y est, t'as fini, Krauser? Je te l'ai déjà dit et répété maintes fois. Faire ce qui est nécessaire. C'est la différence entre toi et moi, le bleu. Il est temps d'achever. T'as complètement pété les plombs, Krauser. Prépare-toi ! C'est ça, ta vraie puissance ? À ta place, je me ferai rembourser. L'entraînement n'est pas fini. Ta dernière leçon commence maintenant. Non. C'est l'élève qui va corriger le maître. Oh, je te trouve bien confiant. Amène-toi ! Amène-toi ! Est-ce que t'es prêt, le bleu ? On va régler ça. Je savais bien que tu arriverais jusqu'ici. Mais j'en attendais pas moins, Blanc.
suis le mieux placé pour connaître ton potentiel. Quel dommage que tu ne puisses pas voir la vérité. Combien de temps encore espères-tu pouvoir combattre dans ce corps primitif? Jusqu'à la fin de la mission. Toi aussi, t'aurais dit ça. Il faut vraiment que t'arrêtes de vivre dans le passé. Le Krauser que je connais est mort et enterré. Mort? Non. Je viens de renaître. En quelque chose de grand. C'est plus fort que jamais. Ma défense est impénétrable. Personne ne peut rivaliser avec ma force. La fraîche. Ça, c'est sûr, Major. Ça, c'est sûr.